Après, une autre chose qui est peut-être pas forcément adaptée à tout le monde, qui a été adaptée en tout cas dans le cas de Paul, du mien, de celui du tien, Raoul aussi, hein, c'est finalement d'ouvrir les portes et les fenêtres. C'est-à-dire que avoir une relation toujours, l'idée c'est une relation avec les pratiquants, une relation de dojo, donc effectivement avec nos pratiquants, mais faire jouer les réseaux de clubs. C'est-à-dire sans forcément passer sur du grand public, par les réseaux sociaux, quoi, ça peut être un choix. Mais en dehors de ça, c'est peut-être pour trouver un noyau, pour trouver de l'intérêt, trouver une dynamique. Aujourd'hui, les clubs d'aïkido, moi je prends les miens en tout cas, les quelques clubs dans lesquels j'enseigne, c'est des petits clubs. C'est des clubs de au plus haut 25 licenciés, adultes. Donc c'est un club moyen. Les autres sont des clubs plus petits. Il y en avait un, c'est sa première saison. Donc fonctionner à une échelle club, ce n'est pas forcément possible parce qu'on aura toujours une partie des pratiquants qui ne vont pas adhérer à la démarche, ce qui est normal. Il y a une partie des pratiquants qui vont être intéressés sur du court terme. Il y en a d'autres sur le long terme. Mais le fait de faire un réseau de clubs, ça crée un noyau, ça crée une dynamique. Et on sait comment c'est dans un dojo. C'est pareil, quand il y a trois personnes, on a du mal à dynamiser un cours. Quand il y en a 20, ben, ça marche beaucoup plus facilement et ça donne envie de revenir. Donc c'est la même logique et j'aurais tendance aussi à pousser ça. Et je pense, eu à une idée assez intéressante en janvier, quand d'abord on était un petit peu en parallèle avec Paul, et c'était pertinent parce qu'on avait le vivier pour ça, on se retrouvait à certains moments, et je pense que c'était une formule qui convenait à ce moment-là, mais de se dire au bout un moment, quelques temps après, bon, ben, il faut repenser l'action, et de se dire on mutualise, et on accepte les pratiquants d'autres clubs qui sont intéressés. Finalement, ça s'est fait par le bouche à oreille assez naturellement. On a des gens de Corse qui sont là. Que Joël, par exemple, avec qui je passais mon brevet d'état à l'époque, ben tiens, par bouche à oreille, on le retrouve, il est là avec nous toutes les semaines, c'est super. Et on a quelques clubs comme ça, parfois des profs de club ou des pratiquants de clubs voisins, mais un peu isolés, voulant continuer, qu'on arrive à regrouper, et puis ça nous fait un groupe de 15, 20, parfois plus, et ça garde la motivation du groupe. Donc j'aurais tendance à dire ça. On n'a aucune obligation, je veux dire, on n'est pas dans une particularité d'un dojo privé ou avec un enseignement professionnel où il y a une nécessité d'être rentable, donc de créer une action pour faire vivre la structure. Nous, ce n'est pas notre cas, on s'en fiche, on fait ça pour créer du lien. Donc, c'est peut-être le moment de faire jouer ces réseaux de clubs qui vont, à mon avis, être renforcés. Je vois les quelques clubs voisins avec qui on a continué ce lien. Visiblement, c'est quelque chose qui va miser sur l'avenir et qui on va forcément avoir envie de se retrouver sur les tapis un peu plus vite qu'avec les autres et de travailler ensemble. Je pense aussi que j'ai des élèves qui ont commencé cette année. Bah, dès qu'ils pourront, ils seront contents de passer dire bonjour à Wolfisheim. Et je pense qu'il y a ce lien qui va se créer assez naturellement. Je pense que de toute façon, on est à des logiques qui sont des logiques qui étaient aussi le cas sur un tapis, hein. Moi, ça m'arrive de faire un cours pour une ou deux personnes, hein. Voilà, je pense qu'il y a que dans il y a que dans les mythes, en fait, où on pense qu'on débarque tous les soirs dans un dojo blindé avec 50 personnes qui sont là frétillants et qui attendent qu'on veuille bien faire quelque chose. Ça, c'est dans les mythes, quoi. Donc, moi, je trouve pas ça déconnant. Ça m'arrive des fois d'être en visio avec deux personnes ou trois personnes en Zoom et puis d'échanger autour d'un cours. Mais ça me va au final parce que ça correspond à une réalité aussi. Ce que vous avez fait là, votre force, c'est d'avoir mutualisé, en fait, et du coup, d'avoir généré, en fait, un lien qui a vocation, du coup, à créer presque une sorte de communauté, hein, au final, hein, parce que ce que vous avez en commun là, vous le perdrez jamais. Il faut être réaliste, hein, Ou le fait de mutualiser, d'inviter d'autres personnes, le fait de mutualiser les cours avec Paul aussi, c'est aussi, en tout cas, je l'ai organisé comme ça, pas que par altruisme, par égoïsme aussi, hein, en partie, c'est-à-dire que j'ai envie de continuer de pratiquer. J'ai envie de continuer à avoir une formation plus ou moins développée malgré la situation, et c'est important pour moi d'être. C'est comme ça que j'ai toujours vu aussi, j'ai commencé à enseigner relativement tôt, mais j'ai toujours essayé de continuer à pratiquer aussi à côté. Et je ne peux pas concevoir de faire mes cours de bocken dans mon coin avec mes deux, trois élèves, tourner en rond pendant 6 mois, même si je vais peut-être apporter des choses. Je sais que moi, je vais me démobiliser parce que même si ça va être sympa de voir mes élèves, je ne vais plus pratiquer pour moi. Et pratiquer tout seul, bon, on tourne quand même sur ses acquis au final.
Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est que bah, finalement, la moitié du temps, je suis élève, je participe aux cours de Paul, je revois des trucs que parfois je ne connais pas, parfois que j'ai connu un temps ou que je me réapproprie maintenant. L'intérêt aussi d'inviter des experts, c'est ça aussi, c'est finalement s'ouvrir à que ça soit de la discussion ou de la pratique.